Et bonjour à tous, nous revoilà sur Armoire à devoir faire et aujourd'hui on va essayer le VBL Scout rang 5. J'avais essayé dernièrement le VBL Scout aussi rang 7, mais j'avais essayé sur la carte Coup de Tonnerre et ça avait pas été super super parce que c'est pas un véhicule qui est fait pour cette carte là. Vous êtes trop à proximité. À la limite, il vaudrait mieux jouer voilà, le VBL sur des cartes comme celle-ci. Je l'avais dit dans l'autre vidéo, j'avais dit quelques cartes. Et entre autres, bah, cavalerie. Donc celui-là, vous avez le choix, vous pouvez jouer au missile ou canon mitrailleur. Je préfère jouer au canon mitrailleur parce qu'au missile, il n'en a qu'un en plus. Il en aurait deux à la limite. Pourquoi pas, mais qu'un seul, le temps de recharge, le temps de tirer un missile, il suffit de tomber sur un APS. L'APS, c'est ce qui fait péter votre missile avant que ça arrive sur le char. Donc vous rechargez, donc vous n'avez pas fait de dégâts, donc vous rechargez, vous retapez un truc, il suffit de faire un. Comme les missiles sont lents, non c'est. Le VBL rend 5 avec un missile, c'est inserviable à jouer. C'est pas marrant. Donc il y a l'opportunité de mettre un canon mitrailleur comme celui-là. C'est bien plus marrant. Pour l'instant je me mets là. Je pourrais aller où va le DCA, c'est ce que je fais d'habitude, je monte un peu plus haut, je monte par là-bas là. Mais quand vous montez, vous scoutez, mais vous faites pas de dégâts parce que sinon vous faites assassiner en haut de la crête là-bas. Donc au départ, autant s'amuser à tirer avec. Voilà. Alors ça recharge très vite, hein, en 2 secondes à peine. C'est très intéressant. Allez, on va aller scouter un peu parce que là ça avance fort. Recharge. On en scoute un autre. À tirer dessus, messieurs. Un autre. Ils auraient dû laisser sur leur VBL rang 7 le choix aussi du canon mitrailleur. Parce qu'on s'amuse bien plus avec le VBL rang 5 et son canon mitrailleur que. Surtout qu'en plus vous tirez. Oh, attention. Ah oui. Bah lui tirez pas trop dessus hein, non plus hein. Voilà. Eh bien. Attention parce que lui il va me voir. Il avance sur moi. Voilà. Pas prendre trop de risques. Oui, on va pas prendre trop de risques parce que le BMW, voilà, c'est ce que je disais. Eh ben, c'est pas des. C'est pas des champions nos loups, hein. Enfin, le DCA qui essaie de faire quelque chose d'abord, mais il va avoir tous les coups, il va se prendre des coups. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Voilà, 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 voilà. Là, j'y connais par cœur, c'est parti. Je sais pas ce que font les deux autres loups, là, c'est abominable. Allez, sors-le-moi celui-là. Sors-le-moi! Ah d'accord, un T-80B qui tire au missile. Alors là tout de suite ça vous montre le niveau du jeu. Encore par hasard c'est un russe. Un T-80, un char lourd qui tire au missile. Avec un canon. C'est d'un ridicule.
Mais je crois que les deux autres ils jouent pas, c'est pas possible. C'est assez terrible hein, quand même. Hein. Ah ça y est, ils ont décidé de bouger les loustiques là. Ils tirent tous. Ah oui, c'est encore, j'ai encore le T80P peut-être. Il est où ce VZ par là? Il était reparti en arrière. L'autre il l'a même loupé avec son missile. Voilà. Eh bah dis donc. Et j'en tue 24. Donc il est bien plus marrant à jouer avec le canon automatique, le VBL. N'hésitez pas à le mettre. Hein. Le missile, oubliez-le. Bon, c'est une carte où vous avez le temps, vous avez un chrono, vous avez le temps de taper, vous avez le temps d'avancer, donc ouais. Voilà, 20 000, 5 000, 1 000, 2 000, 2 000. T80 qui tire au missile et deux autres, bah, c'est lui qui tire au missile. Alors voyez, au missile, c'était celui-là, là. J'ai dit c'était un russe. 2 700 dégâts avec un T80. L'autre, il a dû tirer au canon, mais il est arrivé 2 heures après la partie, donc vous voyez, il a fait 5 000, donc déjà... Entre un canon, un mec qui arrive 2 heures après et celui qui est là toute la partie avec des missiles, c'est ridicule. Alors lui, je sais pas ce qui s'est passé, c'est pareil, il a avancé après, il a plus bougé, enfin, c'est n'importe quoi. Bah, je suis pas là, de toute façon, la partie est perdue. Hein. 31 charges, j'en tue 24. Sur les 31, j'en spot 24, je vais dire. Les 24 que j'ai spoté, c'est les 24 que j'ai tué, donc. Pour chercher plus loin. Donc voilà, bon, c'est un très très bon char, mais, enfin, véhicule blindé. Mais voilà. Logiquement j'aurais dû avoir beaucoup moins de dégâts. Ils auraient dû taper beaucoup plus vu ce que j'ai spoté. À la limite j'aurais dû être à 10 000 de dégâts, allez. Et là je devrais être à 15 000 au moins de dégâts de détection. Au moins. Ça aurait dû être en gros l'envers.
Enfin, au moins 10 000. Moins 10 000 de dégâts, oui. J'aurais tapé plus que 5 000. Mais oh, ok, au moins 15 000 de dégâts de détection. Et comme ils ont tapé sur rien, on risque pas de... Voilà, c'est pas évident quand vous tombez sur des... Moi ça me dérange pas sur cette carte-là, je savais que j'allais la gagner, donc ça me... C'est pas le souci, mais... Quand vous êtes pas trop au courant de ce qui se passe, bah, la plupart du temps, les parties sont perdues. Hein. Enfin, moi, ça m'arrive pas. Mais bon, ça fait longtemps que je joue, et que voilà. Donc, pour un débutant qu'est le VBL, qui se retrouve avec une équipe comme ça, bah, il est dans la merde. Il fait comme le DCA, il essaye d'avancer, il se prend un missile, deux missiles, au revoir. Il peut essayer de revenir dans la partie, mais ça changera pas grand-chose à sa façon de faire, puisqu'il aura rien appris du fait que les autres tapent pas sur ce qui spot, et en plus ils tapent pas avec les bons. Bah, c'est assez terrible. Enfin. Bon, allez, je vous dis à plus, et au prochain char. Allez, ciao ciao!